Coucou mes petites beautés, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous boucler les cheveux avec un lisseur. Parce que oui, un lisseur ça ne sert pas que à lisser ses cheveux mais aussi à les boucler. Et quand parfois on part quelque part, on n'a pas forcément envie de prendre les deux avec nous. Donc je vais vous montrer l'utilisation. Vous verrez, c'est tout simple et on peut en faire des choses. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire vos boucles? Il vous faut tout d'abord une brosse pour coiffer vos cheveux. Il vous faut une pince. Voilà. Il vous faut aussi un protecteur de chaleur. C'est super important parce que sinon vous allez vraiment abîmer totalement vos cheveux. Et bien sûr, votre lisseur. On va donc commencer par appliquer le spray pour protéger vos cheveux. Il faut éviter de le mettre trop près de vos cheveux parce que sinon ça va mouiller absolument tous vos cheveux et il va falloir que vous attendiez que ça sèche. Il faut donc le mettre à 15-20 cm à peu près de vos cheveux pour qu'il y en ait à peu près sur toute la surface que vous voulez protéger. Ce que je vous conseille ensuite, c'est de commencer par en dessous. Surtout si vous voulez faire un tout petit peu juste des pointes, parce que si vous l'avez faire au-dessus, vous allez attacher vos cheveux et vos boucles, ce qui va les abîmer. Donc je vous conseille de séparer vos cheveux comme ceci. Vous voyez, je vais commencer par le bas. Et j'ai surtout l'intention de le faire à ce niveau-là, donc j'attache mes cheveux avec la pince. En plus, ça permettra au reste de sécher. Ça ne sert à rien de prendre des trop grosses mèches. Vous voyez, ça c'est largement suffisant. Et sachant que moi j'ai les cheveux épais, donc c'est déjà une bonne quantité de cheveux. Après, plus vous allez prendre des petites mèches, plus vos boucles risquent d'être serrées. Ou en tout cas, très très définies. Donc voilà, je vais reprendre une bonne épaisseur de mèche. Pensez à la brosser, ça évitera tous les nœuds et ça n'accrochera pas dans votre fer. Mon protecteur de chaleur va jusqu'à 220. Là j'ai mis mon fer jusqu'à 200, après j'ai les cheveux qui sont très épais et qui résistent. Si vous avez les cheveux plus fins, je vous conseille fortement de mettre moins fort parce que vos cheveux vont prendre la chaleur beaucoup plus rapidement. Donc, pour vous expliquer comment ça fonctionne, vous avez pu voir que là en dessous, j'ai déjà fait quelques mèches qui sont maintenant bouclées. Alors, vous prenez votre mèche, que vous coiffez évidemment. Alors, vous la prenez dans votre fer. Et vous enroulez une fois vers l'intérieur et une deuxième fois et il vous suffit de glisser. Et vous voyez là que la boucle se forme. Voilà, là si je l'entends dans le... Voilà, là vous pouvez voir la boucle qui s'est formée. J'ai bouclé les pointes. Là, on le voit bien. C'est tout mignon. Là, on peut voir que le dessous est bouclé. Donc, pour encadrer le visage. Et maintenant, on va faire là les mèches du dessus. Si vous avez un dégradé, je vous conseille d'abord de faire les premières mèches et de faire celles du dessus. Après, vous voyez qu'elles n'ont pas forcément la même longueur. Et en fonction du serrage de vos boucles, ça va faire plus ou moins de volume. Vous voyez maintenant les filles, j'ai plein de boucles partout, ça m'a donné beaucoup de volume. Après, vous avez deux options, soit vous laissez la frange comme ça, qui couvre un peu le visage, soit vous pouvez également la boucler un peu dans ce sens-là pour faire une vague et que ça se fonde un peu plus dans votre coiffure. Donc je vais vous montrer, vous prenez votre frange comme ça et vous la tournez dans votre fer pour faire comme une boucle, comme avant, de la même façon.
vous voyez, là ça fait quand même un super joli mouvement. Ça se pose délicatement sur les boucles et c'est quand même beaucoup plus glamour que juste la frange droite. Ça court quand même un petit peu le front, mais on peut voir ici qu'elle s'accroche en fait, vu que c'est juste la fin qui a bouclé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mes petites beautés, vous voilà maintenant avec une coiffure glamour et sexy. Manque plus qu'à vous faire un super maquillage, à enfiler une petite robe et à sortir en rendez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!